VOD lancé, bonjour VOD. On découvre la démo de Princess Peach Showtime. Désolé, j'ai lancé un peu à l'arrache. Mais il y a une cinématique tout de suite. Vous entendez bien le son du jeu? Oh. Wow. Ça me donne envie de jouer à Balatro. Come on. Ah ouais d'accord, on commence tout de suite comme ça. Bonjour. C'est Spiche, nous sommes enfin arrivés. J'allais chercher des billets. Des billets pourquoi? Coco. Il ne va pas en avoir pour trop longtemps. Allez explorer en attendant. Je vous préviendrai quand j'aurai les billets. Ok. Aucune idée. Oui, oui, ok, tant mieux. Aucune idée de comment on court, je teste. Menu principal. On a des options. Bon, ça m'en fiche. Ah si, quand même. Je vais mettre en... Voilà, bien ça. Attends. Je peux choisir action... Attends, action B, assaut. Ah, je ferais bien l'inverse. Ouais, ce sera mieux. Ah, je sais pas en fait. Si, comme ça, je pense que ce sera mieux. Que je teste. Ah oui, voilà. Parce que je suis habituée à la manette Xbox en ce moment. Ça, c'est pour interagir. Même si ce serait plus... En vrai, ce serait plus les autres boutons pour interagir, mais ok. Oui, la boutique. Alors, j'ai aucune idée du principe. Beats Beret. C'est quoi Beats Beret? Et puis, si je vois... Ah, mais on n'est pas dans un casino. Je pensais qu'on était dans un casino. J'étais contente un peu. Il y a plein de mini-jeux, tout ça. La musique est peut-être un peu forte, là. À tout à l'heure. Comment ça, à tout à l'heure? Ah bah, je vais monter, alors. Oh, mais attends, c'est quoi, ça? En cours d'installation. Ok. Je peux pas monter ici. Je peux leur parler, peut-être. Tout était en train de jouer dans une pièce. Un jour, ce sera notre tour. Ah, d'accord, c'est des petits bonhommes qui vivent... Désolée, personne n'a le droit d'aller là-bas. Qui vivent dans un monde de pièces de théâtre. Dans un monde factice, finalement. Dans un monde où tout le monde porte un masque. Mais le masque de l'acteur, c'est quand il est sur scène ou quand il est en dehors de la scène? Ça fait trop réfléchir. Hashtag Black Mirror. Je peux rien faire ici? Non. Ah, laissez-moi vous guider. L'étincelliste, une pièce excellente. Ouais, d'accord. Les étincellistes sont nos stars. Les théâtrins et les étincellistes. Laissez-moi vous guider. Bah oui, je t'en supplie. Guide-moi. Bah je... Ok, c'est ça la démo? Non, quand même pas. Trop hâte. Ah, lui. Nouvelle pièce épéiste, ça va bientôt commencer, merci de patienter. Oh, nice! Là, je veux bien ça. Des billets! J'aimerais bien courir. Enfin, elle court déjà, mais courir plus. Les pièces doivent être remarquables. Bah, de base, en fait, ils vivent dans un monde de pièces de théâtre. Donc, ils ont intérêt à s'y connaître, putain. La pièce va bientôt commencer. Oh, c'est qui le méchant? Est-ce que ce serait une méchante? Dexter, j'avoue. Dilly. Je m'appelle Sira. Et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Ils ont été foutus dehors. Ils étaient quatre. Ah non, mais c'est que les tots qui ont été foutus dehors. Ok. Ok, je suis fort intriguée. Ok, ok, je suis fort intriguée. Et vous êtes intriguée? Non. Oh. elle a l'air un peu d'une loseuse comme ça, quand même. Bon, bah dis donc. D'accord, donc ça va être... Chaque monde va être une pièce de théâtre différente, du coup.
avec un rôle différent à jouer, vu que c'est un peu un monde comme ça. Oh non ! Oh non, on va se taper la Pimone de service, là, quelle horreur ! Bon, je lui fais la voix adaptée, hein. Non, tu veux quoi ? Quel est le problème ? Merde, j'ai un peu trop de reverb, là. Des petits masqués très bizarres sont en train de mettre notre pièce en sang dessus-dessous. Je pourrais pas jouer dans ce rôle-là, oh là là ! Je sais vraiment pas quoi faire, hein. Et moi, je suis Peach et je vais t'aider. Pardon, c'est simplement venu voir les pièces au final, tu assistes à une catastrophe, ça dégoûte. Faut que je rétablisse la situation, mais je crois que je suis incapable de faire tout ça. Je vais pas te forcer la main, mais ton anneau serait inestimable. Alors qu'est-ce que t'en dis? Bah en fait, j'ai pas le choix parce que je suis enfermée à l'intérieur. Ah ouais, c'est vrai que t'es enfermée, tu vas nous aider? Merci vraiment! Non, merci vraiment, j'insiste, c'est génial, tu acceptes, c'est super, merci vraiment, merci! C'est moi, elle a une tête plate, Peach. J'ai pas fait gaffe. Je m'appelle Stella, je suis une fée de l'étincelle, étincelante, et je veille sur le théâtre. Et toi, tu t'appelles Peach, joli prénom. Même si c'est bizarre de t'appeler comme un fruit. Grâce au pouvoir de l'étincelle, nous allons reprendre le contrôle de la pièce, car l'important de tout ça, c'est surtout notre amitié. Le spectacle pourra continuer. Oui. Elle a surtout très peu de FPS, la Peach. Hein. Putain, on est sur du 15 FPS, là. Le type masqué dont je t'ai parlé était dans la pièce de l'épéiste. Allons, tiens. Ça se mange les Peach, en plus. Putain, j'ai pas mis la musique. J'aurais trop dû. Attendez. Il faut, j'avoue. Pendant le chargement, c'est parfait. Bref. Nintendo téléphone, ils veulent t'engager, bien sûr. J'accepte Nintendo, évidemment. Je remets le son. Je sais plus où j'ai appuyé pour l'enlever. J'ai appuyé là. Enfin, je me cache parce que je... Voilà, c'est important. Aussi, sort de l'épée, et je sens encore que quelque chose cloche. Oh no! Quelqu'un est blessé! Oh my! Oh no, girl! Ce sont des types masqués qui ont fait ça? Ou c'est juste un malaise vagal? Ah oui, j'ai compris. J'ai une idée. Nous devrions essayer d'utiliser le pouvoir de l'étincelle. Trop cool. Et à notre mariage, il y aura fou. Voilà, Peach, tu peux utiliser l'étincelle à travers ce ruban. Écoute-moi. Deviens ma reine et je sais. J'arrête. Pardon, excusez-moi. Vas-y, utilise l'étincelle du théâtrin pour l'aider. Sur le théâtrin, je pense, c'était ça. Ok, j'utilise l'étincelle sur du théâtrin. Par contre, vraiment, la fluidité, elle est inexistante. Hein. Ah, j'aime ça, moi. C'est un effet de l'étincelle. Elle peut faire du bien des gens. Elle peut faire le bien des gens et des objets qu'elle touche. Tu veux qu'elle te fasse du bien, Peach? Avec ton aide, nous pourrons utiliser l'étincelle pour tout remettre en ordre. Let's go! Vas-y. Ok. Est-ce que je peux jouer maintenant? Pas encore. On dirait que tout est devenu normal ici. Cela dit, on fera mieux de s'assurer que tout va bien au château. Ah, d'accord.
Ils nous ont débarqué, ils nous ont attaqué. Donc là, on est dans une pièce de théâtre où il y avait des épéistes. Et on est arrivé avec nos paillettes. Et du coup, c'est bon. C'est la bêta, c'est pour ça ? Oh non, je pense qu'il sera comme ça à la sortie. C'est pas une bêta, hein, c'est une démo. T'es méchant ! Oh les voilà, on dirait qu'ils sont encore, du crapuge. Ouais, je suis pas obligée de faire du bel absolument. En utilisant l'étincelle, ok. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah d'accord, mais ça va être du combat ? Ah, je les transforme en flippettes. Je les transforme en pleutres. Je vous ai pleutré ! Ok, donc là pareil. Oui, mais pour sauter, ça je m'en serais douté. On gagne des pièces. Jusque là, je suis pas trop déstabilisée. La fleur a fait quoi ? Faut que je m'y mette au milieu peut-être. Ah non, c'est qu'il y en a deux ! Il y en a trois ! Ok. Il y a un monde où Pimon débarque et Glock sait faire le doublage. C'est elle là, elle est à côté. Toi aussi à vous rencontrer avec Glock. Je t'avais pas vu, c'est pas que j'ai pas compté. C'est une gemme d'étincelle. C'est une gemme d'étincelle, c'est la preuve de tes efforts remarquables. Les gemmes contiennent une puissance étincelante, récupère-en autant que possible. Ok. Eh ben, je vais récupérer autant que possible. Le château d'ici, on s'en rapproche. Ah bon ? Ça marche comme ça, votre monde ? Ah. Est-ce que je peux être magique avec ça ? Non, j'ai pas l'impression. Ah, lui, je le transforme en plus fort. Oh, il va me taper ! Ma manette, elle a vibré comme si je me faisais taper en plus. Oh, il y a une truc derrière. Arrête toi. Je te goume. Je peux passer derrière? Non attends, je voulais pas tout de suite. J'ai pas fini. Je voulais ça moi. Ok. Les arbres étaient fleuris avant. Oui non mais on a d'autres problèmes en fait. Ton pays se fait envahir par des magiciens malfaisants. Le fait que les arbres ne soient pas en fleurs, c'est peut-être un peu le... Je sais pas, le souci, le moins souci quoi. Surtout dans un monde où les arbres de toute façon c'est du carton bordel. Les fleurs sont superbes. C'est super. Tu peux avoir ton petit sac là ? Tu peux te raqueter en échange de mon aide ? En plein de jeux, on m'aurait filé, hein. Non, j'ai rien eu en échange. Si, j'ai eu des pièces, quoi. Tellement magique. C'est parce qu'on est à Carthage. Oh punaise, ça fait du... J'ai jamais osé faire un truc comme ça dans la vraie vie. J'ai toujours eu peur de mourir. Cramez tout! Ah! Oh putain, on a de la vie! Je sais pas, je me suis dit, Chupi, tu es invincible! Chupi, tu es trop invincible! Vous avez vu mon pouvoir? C'est donner de la force aux autres de se battre. Derrière chaque grand guerrier se cache une femme finalement. Vous pouvez le faire, les garçons! Ah oh ouais, elle a raison! Ah!
Elle peut pas planer. Avant, avec, elle avait un parapluie ou sa robe pour planer dans d'autres jeux. On va voir. Ça fait peur. Hein? Attention, attention! C'est l'étincelle de la pays, Pete. Je crois que je vais pas avoir le temps de lire la fin du dialogue. Fuck. Oh wow, je suis reine des neiges. Oh, je suis un épéiste. Oh la classe par contre. Oh la pitch épéiste. OMG, meilleur cosplay ça. Pitch épéiste. Oh mais je la veux dans Smash Bros. Je veux la pitch épéiste. Ça manque dans Smash Bros en plus. Berta Peach. Elle est trop mignonne en vrai. J'aime trop. Faut que je fasse quoi? Comment je fais? Faut que je fasse... Ah d'accord, ok, oui, je faisais... Enfin... Je faisais des touches classiques dans d'autres jeux de d'épée, mais non. C'est un peu rigolo. Je m'animais d'épée, t'es pas fan. J'adore mes fans. Ils sont tellement fans. Je vais vous libérer. Tiens, sois heureux ou je te tue. Grâce à moi, finis la dépression. J'aime trop. Elle court avec les pieds en arrière. Avec les bras en arrière et les pieds en arrière, ça me fait rire. Oh toi, je vais. Ah, j'aime beaucoup. Tu ne feras pas un pas de plus. Par contre, j'ai pas beaucoup de vie, je crois. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait ça? J'ai sauté un moment où je devais me faire taper, je crois. Je crois que ça m'a fait une esquive parfaite. Attends, commande. Commande. Observe les mouvements de tes ennemis. Appuie sur A ou B pour esquiver. Oh, c'est ce que j'ai fait! Ok. Vas-y, 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 super esquive. Vas-y, tape. Attends, c'est pas bien mis. Bon, j'en tue déjà un ou deux pour m'entraîner. Attends, j'ai pas le temps. Vas-y. Ah ouais, comme ça. Oh, l'esquive parfaite. Nya. Naruto run, mais avec l'épée, quoi. J'y suis un aigle. Je sais pas pourquoi elle me fait rire à courir comme ça. Elle range jamais son épée. Elle a pas de fourreau en même temps. Pas pratique dans les couloirs courir comme ça. Ouais. Oui, bah, je me dépêche, je fais tout là. Oh, de la vie! Ouais, j'avais plus beaucoup de vie. Tu n'iras pas plus loin! Ok. Ah. Le timing est pas facile à voir. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est vraiment... Pas quand le coup va te toucher, mais quand il commence tout juste. Ah, au secours ! Ah ! Ah ouais, non, le timing... Il n'y a aucun sens, en fait. Ça me va, ça me va. Hé, pignoufou ! La démo est pas top. Bah, laisse-moi tester, tu sais. Dark Souls de Nintendo de fou! Ça va, petit pignoufou? Oh, j'ai défoncé! Mince, j'ai envie de taper avec un autre bouton à chaque fois. Attends.
Voilà. Bim. Mince. Regardez les pièces. Par contre, la fluidité est vraiment... Le manque de fluidité, plutôt, est vraiment gênant. Gênant. Le manque est gênant. On s'est... Pas très dur quoi, c'est une touche. En garde. C'était sympa, j'avais fait la démo de En garde, c'était sympa. J'ai pas vu le speedrun de En garde, faudrait que je le vois parce qu'il doit être cool. C'est un jeu qui te pousse à aller toujours plus vite. Tu ne passeras pas. M'en fous. J'ai une épée. Attends. Mais c'est quoi cette perspective? J'ai esquivé apparemment. Fallait que je fasse une esquive parfaite pour pouvoir lui éclater sa gueule de plante. Oh merde! Oh non, fallait que je les tue toutes les deux. En fait, quand tu spams, tu esquives quoi qu'il arrive vu que c'est le même bouton. Ok. Je crois que je suis exceptionnel. Vous avez pas réussi à vous. Thank you very much. Oh, il me manque une étoile! Oui, je sais que j'ai raté une étoile, merde! Mais elle est... Et pourtant, j'ai fait gaffe à tout. Il y avait rien de caché, je suis sûre. J'ai juste pas dû l'avoir. Ah ouais, Pignoufou? Mais tu t'attendais à quoi? Parce que j'avoue que pour le moment, bon, autant moi, je l'attends pas plus que ça, le jeu. Autant c'est assez proche de ce qui a été présenté, quoi. Et j'imagine que dans chaque monde, on va avoir une interaction particulière avec, avec l'univers en fonction du monde. Wouah ! Trop fort ! En fonction du type de monde. Et voilà quoi. J'avoue que moi, c'était à peu près à ça que je m'attendais. Mais par contre, du coup, ça m'intéresse pas plus que ça, j'avoue. Je prendrai pas de jeu. Mais je pense que c'est plutôt un jeu pour gamin quoi. Un gamin de 8 ans, tu achètes ça, il sera content. Mais moins fort, ça me nique les oreilles, quoi, que c'est peut-être parce que c'est trop fort pour moi. Mince, je lis pas. Je lis pas, pardon. Je suis sûr que les autres pièces ont aussi besoin de notre intervention. Allons voir si tu veux bien. Par contre, ouais, c'est pas fluide. Hein. Ça sera peut-être un peu plus à la sortie, mais j'y crois moyen, j'avoue. Parce que, bah, c'est la Switch, quoi. C'est pas tout qu'il faut faire gaffe, mais aux étoiles. Elle dit plein de lignes.
C'est une boutique où je peux acheter mes propres vêtements? On n'a pas accès aux étages supérieurs. Ok. Ça, c'est quoi le festival des gâteaux? D'accord. Est-ce que j'ai une autre pièce, peut-être un autre choix? Non. Parce que bon, un monde avec des gâteaux... Ah, une amulette cœur. Est-ce que tu veux une amulette cœur? What? Sûr? En échange de quoi? Tu vas me la rendre lorsque tu estimerais que tu ne plus en avoir besoin? Je te la rends. D'accord. Tu peux choisir d'avoir en fait plus de vie ou moins selon la difficulté que tu veux. Ouais, vas-y, jour hyper difficile. Je vais essayer de pas rater d'étoiles. Techniquement, ça reste un peu catastrophique. Il faut un jeu fluide. Il le sera peut-être. Je sais pas. Ça va le chat? Peach time. Peach time. Je vais être plus fort. Mince, elle a dit quoi? Ah! Ça va être génial. Mais vous voyez pas que vous êtes... Ah oui, c'est vrai que j'ai plus d'épée, je voulais tous les taper. Fuck. Vous voyez pas que c'est la merde là? En vrai? Y'a pas de type masqué. Ouais. Ça va, on essaye de s'accrocher. Fur, merci. Merci beaucoup. Oh, qu'est-ce que c'est? À nous tous les gâteaux. Oh non, ils volent les gâteaux, les bâtards! Ils ont volé les gâteaux. Par pitié, arrêtez de voler nos gâteaux! Tous nos gâteaux, que va-t-on faire? Ils volé nos gâteaux! Des mini-chocolates! Ils ont volé mon chocolat! Pardon, ça rappelle le même du gamin qui pleure parce qu'on lui a volé son chocolat. Qu'est-ce qu'il faut que je foute, moi? Ils ont volé mes chocolates! Fure déjà! Ah oui, d'accord, c'est vrai. Plus de crêpes pour l'ox. Plus de crêpes pour l'ox. Oh punaise, tu dis ça. Hey, j'ai mangé des crêpes aujourd'hui, je l'ai dit ou pas? Tu mangeais trop chantilly encore, j'ai eu mal au ventre. Parce qu'en fait, j'ai fait Nocciolata, noisette seulement. Nocciolata chocolat. Hop, coller les deux. Caramel, chantilly. C'est un peu trop. Un peu trop. Oula! Il y a des pièces avec des gâteaux. Ça, c'est les gâteaux de grand-mère pourris, ça. On s'en fout un peu, non? Ah oui, non, c'est vrai qu'il faut que je fasse genre ça. Ah non. Mais on les soigne vraiment de leur dépression. On cherche les ingrédients. Bah oui, refaites-les, les gâteaux, au pied. Avec ton truc. Voilà. C'est où la suite? Je peux péter ça? Non mais par contre derrière là il y a un truc, c'est sûr. Allons à la cuisine, vas-y. Va faire ma bouffe. Ah, peut-être ça. Ah non, il attendait. Ça, j'ai raté deux étoiles. Quoi? Mais c'est impossible, il n'y avait rien. Les mondes sont minuscules. Comme ça. Comment j'ai pu rater deux étoiles? Attends, je reviens.
Ah mais il continue leur vie sans moi en fait. Je pensais que tant que... Attends, je vais essayer de revenir ici. Oh mais je peux pas, merde. Mais comment j'ai raté des étoiles par contre? Bon. Et je peux pas revenir en plus une fois que j'ai fait, faut refaire le monde en entier. Ce que j'ai pris, c'est la troisième. Fuck. Qu'est-ce que je fais là? Ah, je vais avoir le pouvoir de la pâtissière. Pourquoi c'est pas Mario qui a ce pouvoir d'abord? Pouvoir des creeps. Ouais, ils ont pas mis celui-là en premier monde, hein. Ils ont dit que ce serait peut-être un peu abusé, ils l'ont mis en deuxième. En premier, ils ont dit non, mais c'est bon, elle aura une épée, vous inquiétez pas. Putain, si dans le prochain monde, on a un palais, je vous jure, je vais mal le prendre. Ah, là, je peux faire un truc. J'ai d'air pour prendre la pause. Ok. Ah non, là ça marche pas. Je peux pas aller par là. Putain, je peux pas revenir en arrière. Donc quoi, quand tu rates un truc, vraiment tu dois te retaper tout le monde quoi. Faut que je fasse la pause. Les biscuits avec nous. Il en faut plein. Donc, hein, pose les biscuits dans le pot quand tu as fini. D'accord, mais faut que je fasse quoi? Une fournée test. Faut que je fasse quoi? Ah, commande. Tu auras de manière répétée. Ok. T'as peut-être trop mélangé. Ah bon? Mais je me suis arrêtée, il y a une latence de ouf. Ah, mais ils ont l'air pas bons. Franchement, ils ont pas l'air bons. Hein. J'avais fait un super cupcake et je me retrouve avec des vieux sablés dégueulasses tout pourris là. Ouais, pas parce que dans ce mini-jeu, on fait vraiment que spammer, c'est dommage que ce soit pas un QTE. Oh mince, c'est trop. Mais non, là c'était bon, qu'est-ce que tu racontes? Vite, vite, vite. 3 jours, meuf. Nice. Je pouvais pas poser. Oh, j'ai même pas fait tout le quota. Salut. Happy, comment ça va? Punaise, j'ai raté 2 étoiles déjà. Et j'en ai raté 2 autres. Bah oui, parce que j'ai pas été à fond. Je peux encore nous aider. Ah bon? Les rongeurs sont cuits. Mais... Oh, c'est tenu. Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. D'accord. Ouais, c'est vraiment un jeu pour enfants, quand même.
C'est quand les gâteaux comme sur l'image? Dis-nous quand tu peux, quand on peut les amener. Attention. Ah, décorer les gâteaux, ça peut être drôle, ça. Qu'est-ce que je fais là-dessus? Ouais, go! Je fais aucun effort. C'est bon? AB. C'est merveilleux! Qu'est-ce que j'ai pu, hein? Salut Dark Scorgan, comment tu vas-tu? Le jeu, il va m'empêcher de faire des nibards. Et d'autres choses. On frise la perfection. Ah, je déborde beaucoup quand même. On va le faire bien, ça. Attends. Je fais n'importe quoi. Franchement, je vais juste tout faire le tour. Ça ira très bien. J'avais appuyé sur A. Oh, j'ai loupé tellement d'étoiles dans ce monde. C'est un peu... Je suis pas très fière. Si c'est... Enfin, sans... Bon, je fais pas beaucoup d'efforts. Je fais pas beaucoup d'efforts aussi. Ça. À moi l'honneur. Ok. Mais on ne veut pas sauver le monde là plutôt que de faire des gâteaux? Je pourrais faire quand même la pitch en garde. Hein. C'est pas censé ressembler à l'image et à toi. Bah, je fais ce que je peux. T'as platiné ton jeu weird de tout à l'heure? J'ai pas tenu plus de 15 minutes. C'est insupportable. J'espère que c'est bon, ça va compter. Ce qui était vraiment très désagréable à jouer, quoi. C'était... Bon. Bref. Voilà, quoi. Je fais ce que j'ai pu. Là, du coup, on teste étonnant. Oui, non, mais je sais, mais j'ai pensé que ça allait être un jeu avec plein de mini-jeux. J'aime bien, ça. Et là, on teste la démo. The Peach machin, Princess Peach Showtime. En vrai, ça peut être sympa, je pense, mais que c'est vraiment un jeu pour enfants, je trouve. Genre, je sais pas, j'ai une petite nièce par exemple, où j'imagine que ça pourrait très bien lui plaire ce genre de jeu. Mais. Ça me semble vraiment trop basique comme gameplay pour. Bah, quand t'as connu d'autres jeux. Mais voilà, des petits passages comme ça qui peuvent être assez rigolos, quoi. Puis le fait qu'elle ait toujours une tenue différente avec un pouvoir différent, c'est un peu plaisant, c'est un peu comme on peut dire satisfying, mais c'est vrai que là à l'heure actuelle je me vois pas faire le jeu jusqu'au bout, sauf si vraiment je me prends à la collection des étoiles. Mais j'avoue que ça ressemble pas mal à ce que j'avais vu, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs tableaux avec un pouvoir différent.
Le seul truc, c'est qu'en fait, le pouvoir consiste quasiment toujours à juste appuyer sur A. Donc c'est pas assez intéressant au bon moment ou comme il faut. Et après, bah par contre, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits mini-jeux internes qui peuvent être cool, mais qui, là encore une fois, sont trop simples. Donc c'est pour ça que je vois que pour moi, c'est plutôt un jeu pour gamins, quoi. Ah oui, mais c'est ça. Mais ça aurait été sympa de... Ça aurait été sympa de faire un jeu d'aventure un petit peu plus mature avec Peach, mais peut-être que c'est un personnage estampillé un peu gamin, et du coup, pour le moment... Écoutez, c'est la première fois qu'on a un vrai jeu avec Peach. Donc, allons-y doucement. Mais je pense qu'il sera sympa sans plus. C'est comme ça que je vois. Bref, je vais arrêter la VOD. Des bisous VOD. J'arrête de la mettre rapidement, celle-là, parce qu'elle peut peut-être intéresser des gens, vu qu'il va sortir bientôt le jeu. Des bisous, la VOD.